monde, c'est Monsieur Champion. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo astuce, comment ne pas payer le PSN Plus pour pouvoir jouer en ligne à Call of Duty et même sur d'autres jeux. Donc c'est une astuce qui fonctionne à 100%. Je vais vous l'expliquer en live en même temps, comme ça je le fais. Donc dans la barre de description, je mettrai le lien de Fake Générateur. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus et créer un faux mail. Donc dans un premier temps, vous allez juste switcher pour faire changer d'utilisateur. Vous allez aller dans la rubrique Nouvel utilisateur. Vous créez un nouveau utilisateur. On s'en fout. Suivant. Et il faudra mettre exactement comme moi pour être sûr que cela fonctionne. Donc vous allez aller créer un nouveau compte. Franchement, n'hésitez pas à exploser cette barre de like pour cette petite astuce qui, je pense, vous fera plaisir. Donc, vous faites s'inscrire maintenant. Et là, il faudra mettre United States. Alors, il faut le trouver. Comme par hasard, ça, voilà. Donc là, ça va changer tout le langage et tout. Là, vous mettez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Vous mettez hop, hop. Par contre, là, vous mettez 1996. Voilà. On peut même changer comme ça, vous êtes sûr que ça marche. Hop, vous faites OK, next. Code postal, vous mettez le même que moi. 4, 4, 3, 1, 9. Et ça va trouver automatiquement la city Akron et dans l'Ohio. Donc, vous faites next. Donc là, hop. Le mail, donc c'est là que il faudra aller dans la description et cliquer sur le petit lien que je vous mettrai. Donc il faut que je vous dise aussi que c'est pas moi qui ai trouvé cette petite astuce, c'est juste hop. Un américain pardon, qui s'appelle Danixon. Donc là je vais taper moi mon faux mail que je viens de créer, Monsieur Champion, hop, 76 arrobase bbhost. Par contre, pour le mail, le mot de passe, je ne vais pas vous le dire, je vais vous le cacher aussi. Hop, US. Voilà, donc là, je vais cacher le mot de passe, bien sûr, vous ne le saurez pas. Donc, comme ça, vous tapez le mot de passe que vous avez envie de taper. Là, vous faites suivant une fois que tout est fait. Là, qu'est-ce qu'on peut mettre? Vidéo. YouTube. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez, hein. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Ah, celui-là, il est déjà pris. On va mettre un truc. Suggérer. On va mettre. Allez, 76 parce qu'on a dit 76. Voilà. Et là, vous mettez ce que vous voulez. Ça n'a pas d'importance non plus. Donc après, vous allez juste confirmer à chaque fois. Confirmer. Confirmer. En fait, on s'en fout. Hein. C'est juste pour avoir le PSN Plus gratuitement. Accepter. Et puis, franchement, c'est assez simple. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un mail sur le faux mail que vous avez créé juste avant. Donc ça y est, je viens juste de l'activer, du moins de vérifier le compte. Vous allez voir que je vais cliquer dessus, ça va le vérifier. Voilà, il a été vérifié. Après, le compte faux mail, on s'en fout. Plus tard, ça, on s'en fout. Franchement, après, ça n'a pas d'importance. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez mettre votre Facebook et tout, votre numéro, vous, c'est votre choix. Donc là, vous faites suivant. Skip. Skip à ce qui paraît. Donc franchement, n'hésitez pas. Voilà, après, vous allez sur votre compte là que vous venez de créer. Donc je suis dessus. Vous voyez que je n'ai pas le signe du PSN Plus à côté du pseudo. Donc là, vous allez aller dans les paramètres. Vous allez aller dans. Attendez que je retrouve. Ça va être. Voilà, gestion des données d'application sauvegardées.
Hop, et là vous allez aller en données sauvegardées sur le stockage en ligne. Hop. Ça va vous donner 2 jours de test du PlayStation Plus. 4 days. Hop, vous prenez et vous faites ça. Franchement, ça prend 5 minutes à créer un compte. Et vous allez voir que du coup maintenant, attendez, si, voilà, que maintenant vous voyez que j'ai bien le PSN Plus et c'est génial. Hop. Ensuite, si vous voulez l'activer en tant que PS4 principal pour pouvoir jouer sur votre compte perso, vous pouvez. Vous allez dans là, vous allez pouvoir l'activer tout simplement. Mais je crois que j'ai déjà activé mon compte. C'est que activé comme pas. Ok. On va désactiver pour voir. Mais je crois que j'avais déjà activé mon compte. Hop. Et vous voyez. Ah oui. Ah non, d'accord, ok. Donc là, je me fais en même temps. Donc vous voyez que là, j'ai bien le PSN Plus sur 2 comptes. Sur mon compte principal sur lequel j'ai payé. Et puis là, sur lequel je n'ai pas payé. Et je sais pas pourquoi il me met. Bref. Ok, d'accord. Et puis voilà, franchement, j'espère vraiment que c'est une vidéo qui vous plaira. N'hésitez pas à la partager un maximum, à laisser un max de barres de like, de like, pardon, et de commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. Merci pour les 4 300 abonnés, ça me fait hyper plaisir. Et bientôt 5 000 abonnés avec un gros concours. Et vous ne serez pas déçus. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Champion, portez-vous bien. Ciao tout le monde, bye.